est espion. Il est la dernière solution. Il est con. M'en fous, je me barre. Oui. Oui. Et bonjour le monde, ici c'est NoBio, toujours avec son micro pourri, et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Display de Splinter Cell Pandora Tomorrow, et non pas Double Agent, ça fait un moment que j'ai arrêté celui-là. Donc Pandora Tomorrow, et on s'était arrêté à la femme qu'on devait parler. Les visites sont à quelle heure? Uniquement en matinée, vous en avez mis du temps. Vous êtes américain? Qui êtes-vous? Un ami à la recherche d'un autre ami. Vous connaissez cet homme? Si vous me posez la question, c'est que vous connaissez la réponse. Que faisait-il à Jérusalem? Oh, le clash! Il est venu acheter une arme. Quel genre? Biologique, mais je n'en suis pas certaine. Les Syriens l'ont mise au point il y a déjà 10 ans. Jusqu'ici, le transport posait problème. Votre ami leur a proposé une solution miracle. En échange de quoi? De l'arme biologique en question. De ta mère! Aux Syriens, une petite contenance de l'art et un conteneur de transport. Où sont les Syriens? Je suis aussi haut et dans le conteneur. Je peux vous y conduire, à condition que vous gardiez vos distances. Si quelqu'un nous voit ensemble, je ne donne pas cher de notre peau. Ouais, c'est là où ça va être compliqué un peu. Alors, donc notre machin, objectif, faut retrouver Dahlia Tal devant l'entrée des entrepôts de Shoshana. Ouais. Faites-vous dans l'entrepôt de Shoshana, ouais, ça. Ok, bah écoute, ok. Non, voilà. On va essayer. Par là. Okay. Donc, en gros, il faut que je la suive de loin. Sans qu'on soit se repérer, quoi. On dirait que ça va être chaud. Hein, j'aimerais être me barrer, en fait. J'aimerais me barrer. Oh, je suis caché, là. Non, je suis mis là où je suis caché, quoi. C'est pas mal. Donc, on va essayer de se faire... Oula, oula. Putain, la vache! Je remonte 2 cm de plus, j'aurais été mort, quoi. Enfin, bref. Donc, on va essayer de faire cette mission, c'est... Là, c'est la mission... de fin, pour moi. Enfin, la mission que je sais, en fait, que j'ai vue. Là, c'est la dernière mission que j'ai vue, en tant que Let's Play. On va se cacher. On va se cacher, hein, t'inquiète pas. Non, c'est comment? Ah, comme ça. Ah, pardon, pour repère, d'accord. Non, moi je pensais que... Bon, mais non. Oh, quelle musique entraînante, on dit. Non, je te mets là, dans quoi. D'accord, en fait, il y a de la lumière, là. Il y a de la lumière. Je suis en plus de la lumière, quoi. Genre, là, c'est caché, ça. Genre, pour vous, là, ici, tout de suite, là, sur les marches, c'est caché, quoi. C'est fou de ma gueule. Là, mais c'est n'importe quoi. Ok. Ouais, 200, hein. Ça commence mal. Ça va mal finir, moi j'ai dit ça mal finir. L'autre, c'est un steak. Ok. Faut que je me barre. Juste pas qu'il coule le corps là-bas. Y'a personne, y'a personne. Y'a ta mère! Je vais pas mourir! Ta gueule. Voilà. Ça me fait chier. Tu veux parler là-bas, hein? Ta gueule. Voilà. Non. Pas rouler boulet. Pas rouler boulet. Putain, j'ai du mal avec les commandes, sérieux. OMG. Bon. On va tout être pareil, hein. Je veux dire. Apparemment, ce serait caché ici. Bon.
on va dire oui, quoi, mais c'est juste pour lui faire plaisir, quoi, mais non, quoi. Mais vous les boulez. Bon, ça c'est fait. Ah, je suis à la Assassin's Creed. Vas-y! Non? D'accord. Bon, bon, pourquoi pas. Non. Ok. Alors, putain, faut que je me retourne. À chaque fois, je sais plus les touches, quoi. C'est dingue. Voilà. C'est juste ce qui me faisait chier, c'est bon. C'est bien, m'a trompé, Talia. Que faites-vous dans la rue? Je suis désolé, je rentre chez moi. Tout le monde doit respecter le couvre-feu. C'est pour votre bien et celui des autres. Je comprends. T'as mis reçu, non? Mon père, il est très malade depuis les attentats. Il a fallu que je lui refasse ses pansements et j'ai perdu toute notion du temps. Je voulais pas. Je vois. Allez, dépêchez-vous d'entrer. Merci, je ne traîne pas. T'es un peu con-con, mon gaillard. Ah, don't want to say, but I say, il y aura un peu con-con, hein. C'est pas grave. T'en veux pas. Oui, parce que je sentais pas celui-là. Il allait me voir, non, je le sentais vraiment pas. Par contre, où le cacher maintenant? C'est un peu le truc. Bon, apparemment, c'est caché. Hein. Je trouve ça pas très caché, hein. On voit vraiment bien, en fait. Enfin, moi je vois bien, est-ce que sur YouTube on y voit? Ça c'est encore autre chose, ça. Hein. C'est pour ça que je suis plus souvent en mode vision nocturne, parce que sinon on voit rien. Alors bon, c'est pas très gay, c'est en noir, gris, blanc, bleu, vert, moche, quoi, mais voilà, quoi. Y a pas trop le choix. F5, j'ai oublié de sauvegarder donc. Ça aurait été con. Moi je suis un bête, moi. Je sais pas, genre. Oula. Ah, parce que là, en fait, à droite, là... Parce que oui, il y a une petite lumière. Qui fait, Ah, oui. Fischer, on vous paie pour votre sens de la discrétion. Ok, alors, tu me dis là où tu m'as vu, quand même, là, hein. Je... Don't want to say, but you not me... Quoi? You not me see, not very well. You see? I'm very bilingue, hein, putain. Notre mec là-bas, bon, mec. Bon, et ben écoute. Si on s'inscrit, ce sera un peu plus pratique là, les poursuites comme ça. Hein. Je dois avouer que moins quand même. Là, tu vois pas. Là, je suis sous un lampadaire, tu vois pas quoi. D'ailleurs, j'étais derrière une. Fischer, on vous paie pour votre sens de la discrétion. LOL! Juste là, quoi. Non, mais je vais faire effectivement. Oui, j'ai été repéré, je sais, je suis nul, Oui, je suis nul, oui. C'est un peu chiant, ça. On va être sifflé maintenant, hein, je crois, hein. Oui. Il vaut mieux. Je me cache dans le paysage. Je suis une fougère. Je suis un grillage, voilà. La la la, grillage. Bon. Arrête les conneries. D'où tu m'as vu, quoi? Ah non, pas de lumière, Ça te bug. Putain, il est là. Tac! Double tac. On va se cacher là derrière là. Hein. On va faire la mijaurée, hein.
ou la béjorette. Van de merde. Bon, allez. Taki taki tac. Putain, ça m'éblouit franchement. Hala, hala. Je vais aller là-bas. Oh mais y a rien. Ça merde. Y a ta mère. Merci. Je dire qu'il se passe quelque chose de grandiose, c'est mais... Ah d'accord, c'est lui qui me cherche. C'est Cacha, hein, évidemment. Hein. Il est où le monsieur là? Le monsieur a disparu, donc... Je suis super discret là. Franchement là, je m'impressionne. Qui est là? Personne! Fischer, personne. On vous paie pour votre sens de la discrétion. Mais lol! Mais d'où tu m'as vu, sérieux? Bah non, si, si, là tu m'as vu, mais. D'où t'as sauvé la lettre? L'alerte là, je non. Là, pas trop d'accro. Ça va être épique, hein, celui-là, hein. Très épique, hein, ouais. L'autre est pris au plein milieu. Il est pris au plein milieu de la rue. Ah, ils sont cons ces arabes. Oh le clash quoi, pardon. Voilà. C'est pas notre lumière non? Non, ça c'est la lune ça. Ça s'appelle la lune Nobu. C'est la lune. C'est la lune quoi, donc voilà. La lune quoi. Sinon je pouvais vous tuer. Y'a rien ici. Si seulement j'aurais pu aller sur les toits quoi. Putain sérieux quoi. Ah ouais ils ont pas été pistolets en plus hein. C'était rien du tout. T'es un peu con toi. Tout petit peu hein, c'est pas grand chose hein mais juste assez pour être con quoi. Oula non, c'est pas grave, hein. Ça passe après, hein. Ouais, bah, mise de cam, c'est bon, je peux sauvegarder. Je peux re-sauvegarder, c'est ça que j'oublie. Je suis un homme. Tu veux d'aller en haut? Oui. Monte. Voilà. On va aller par là. God mode. Je cheat pas du tout, non, c'est pas vraiment un mensonge. En même temps c'est un peu moins visible quoi comme ça, hein, je veux dire mais. Bah en fait ça fait un peu mal au doigt. D'où tu me vois? Bon là il vient d'en haut, d'accord, ok. Mais non quoi. Avec le god mode je suis invincible quoi. C'est genre un god mode quoi tu vois. Juste genre quoi. Voilà c'est barré quoi. Ça va. Ah c'est pas prévu ça. Non pas trop quoi. Je me barre moi. Ah non foutre. Mais on va les couler. Oh je suis trop discret. Oh, oh je m'aime quoi. Oh, qu'est-ce que vous faites de coup, on peut mis la route. Excusez-moi, je dois m'occuper de mon père. Il est très malade et... Désolé, mais je ne peux pas faire d'exception. Je dois vous demander de rentrer chez vous. Tout de suite, monsieur l'officier.
Je vais vous escorter. Je vous demande pardon ? Couvre-feu ou pas, ces rues sont un vrai coupe-gorge. Je vous accompagne. Au moins, je serai sûr qu'il ne vous arrivera rien. Je vous assure, ça va aller. C'est sur mon chemin, de toute façon. Allez. Je vous assure, ce n'est pas nécessaire. Oh, la violence. Oh. Enfin, la violence, c'est un peu rigide, hein. C'est... T'as quelque chose ou pas ? Non, je crois qu'il y avait une sacoche. C'est un peu violente, madame, quand même, hein. Impressionnant. Faut revoir le plan. Non, dans quelques heures, l'échantillon biologique ne sera plus dans l'entrepôt de Shoshana. Il faut pas traîner. On doit faire preuve d'une plus grande discrétion. Montrez-vous encore une fois et vous vous débrouillerez sans moi. Compris. Mais c'est toi, connasse ! Oui, bonne idée. Essayez. Bonne idée ! Je vous retrouve à l'entrepôt. Putain, je disais ça depuis le début, connard ! Je te jure. Foiré, eh oh. Eh, c'est ta mère qui a bougé. Fischer, on vous paie pour votre sens de la discrétion. Mais lol. Bon. Oui, faut que je fasse évite avant de ça, d'accord. J'ai compris, allez, non, non. T'as une série pas. Allez, parlez-toi, vous serez plus. Bah oui. Le couvre-feu. Excusez-moi, je dois m'occuper de mon père. Il est très malade et... Désolé, mais je suis vraiment foutage du gueule, quoi. Je dois vous encore une fois, vous montrez encore une fois et c'est bon, quoi. Je connais ce truc qui donne un coup. Regarde, c'est qui donne un coup de pied au monsieur pas, ces rues sont un vrai coupe-gorge. C'est qui donne un coup de pied au monsieur? Au moins, je serai sûr qu'il vous arrivera. Je vous assure que ça va aller. C'est sur mon chemin, de toute façon. Allez. C'est pas moi. Non, c'est pas moi. T'es méchante, madame. Oh, tu bouges pas. T'es une méchante, madame, c'est tout. Donc oui, j'aurais bien aller sur les toits, mais où? Impressionnant. Oui, par le plan. Oui, t'inquiète. Non, dans quel... Compris. Suivant. Oui, suivant, bonne suivant, idée. Suivant. Voilà, bon. Faut jouer par où, moi? Ils sont marrants, va parler toi. Bah oui, bah oui, vas-y. Amuse-toi, va parler toi, quoi, MG. Trop de lumière. Monsieur. Je suis un peu visible là. Voilà, je suis plus visible. Ah là là, je vous jure. Je monte où par les toits, moi? Non, pas qu'il me déplaise, hein, en vanda, mais... Pourquoi je dis ça? Oups. T'es un tout petit peu con, toi aussi, hein. Ah, la police, elle est efficace, hein, ça, je te jure, hein. Efficace pour quoi, on sait pas, on n'a jamais su pourquoi, mais efficace. Putain, je suis pas du genre discret en plus, hein, je veux dire... Oh. Ma ninja. Ah, par ici. Ok, c'est bon. Oh, c'est la musique pour s'arrêter maintenant. S'il vous plaît, musique. Je crois qu'on a compris, messieurs, mesdames. Madame, monsieur. Madame, monsieur. Madame, monsieur. Madame, monsieur. Non, on sentait que la musique est chiante là. S'il vous plaît. Pour moi, santé mentale, s'il vous plaît. Pour moi, santé mentale. S'il vous plaît. Bon, je crois qu'on a tout en musique, hein, je crois. Hein. C'est drôle, hein. Je vois où il y a du vide à côté.
C'est genre, après, il n'y a plus rien, quoi. C'est néant, quoi. OMG, quoi. La musique orientale, bah, vous êtes servi, mais... Aïe. Ça fait mal aux yeux, ça. Ça me rappelle. Sauvegarder, parce que je crois qu'il y a quelque chose qui se passe là. Ouais, j'ai fait con, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je vais faire ça, en fait. Moi, la musique, c'était arrêté, quoi. Et juste, elle sort d'où? Elle sort d'où, la corde, là, s'il te plaît? Fisher, je savais pas qu'il y avait une si grande corde, hein. Je suis assez impressionné. Je dois avouer que... En plus, détachable. Intéressant. Je crois que j'allais s'arrêter. S'il vous plaît. Mon Dieu, mais j'ai pas su. Vous m'avez fait une de ces peurs. Vous n'avez rien. Avec ce couvre-feu, je suis terrorisée. J'ai toujours peur de faire une mauvaise rencontre. Vous devez. Je suis désolée. Il faut vraiment que je rentre. Le couvre-feu, vous comprenez? Oui. Merci beaucoup. Bonne soirée. Comment elle te l'a embrouillé? OMG, quoi. OMG, quoi. Bon. Musique ta gueule! Sérieux, quoi? Moi, ouais, peut-être tu veux pas. Non, tu veux pas te bouger, toi, c'est évident. Tu vas prendre de la diversion, hein. Y'a quelque chose là-bas. Voilà. Là, tu peux de la musique, là. Enfin, pas trop longtemps plus, quoi. Il y a une canette, allons voir ce qu'il y a une canette. Surtout n'allons pas voir qui c'est qui a lancé la canette. Non, bah non. Ah bah non. Surtout pas. On s'en fout qui c'est qui a lancé la canette. Un jour vous serez intelligent, un jour, peut-être. Elle est par où? Je pense par là, je pense. Je pense que je suis paumé. Non, sérieux, quoi. Je pense que peut-être que je vais passer par-dessus. Ah non, faut juste ouvrir la porte, d'accord. Pourquoi pas, à vrai dire. Ah, ta gueule, la musique, quoi. Sérieux. J'en peux plus, quoi. Je crois qu'il faut aller par là, je crois. Pour les Syriens, vous êtes qui? Un agent double. Ils pensent que je trahis le Mossad. Pourquoi m'aidez-vous? Nos gouvernements sont alliés. Nos ennemis sont les vôtres. Vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'à l'entrepôt. Je travaille toujours en solo. Vous vous plaindrez auprès de votre supérieur. Brunton, c'est bien ça? Non, c'est pas ça. C'est pas grave. Vous êtes prêts? Je crois qu'on a remué un nid de vipère. Vous venez avec moi? Ouais, certainement pas. Fisher, Dahlia Tal doit mourir. Tu es là. Ne réfléchissez pas, obéissez. Quand même! On doit la tuer quand même, hein!